s'aimer, à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes. Bonjour Frédéric, bonjour Mediaseri, bonjour tout le monde. Pourquoi avoir accepté d'être le parrain de l'édition 2014 ? Parce que je trouve que c'est stimulant de rendre hommage à ces personnes qui croient en ce qu'ils font et qui ont envie de continuer d'entreprendre. Et en plus, s'ils entreprennent, peut-être pour quelques-uns, en tout cas pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap, moi je dis présent. Attends, bien sûr. On peut constater dans votre parcours musical et artistique que vous êtes passé par une formation classique. Est-ce que ça vous aide au quotidien, alors que vous êtes plutôt connu pour faire de la variété en France ? Oui, mais la variété, c'est donc, comme son nom l'indique, varié. Donc c'est vrai que la musique dite classique, pour moi, c'est vraiment la base. Et si on a le sens de swing, ben, y a pas de problème, on peut tout jouer. Il reste beaucoup de chemin à parcourir pour faire accepter la différence dans le monde de l'entreprise. Quelle est votre vision sur le sujet, sans mauvais jeu de mots ? Non, il n'y a pas un jeu de mots là-dedans. Ma vision, elle est très claire, c'est de considérer la personne pour la personne, avant de considérer son handicap. Ça ne veut pas dire de nier l'handicap de la personne, mais ce qui est important, c'est la personne elle-même, ce qu'elle a à nous apporter, et de ne pas faire que son handicap soit un handicap. Parce que ce n'est pas un handicap. Je veux dire, ça fait partie du modèle, d'accord, c'est les vrais avec, mais moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est la personne. Quoi. Moi, j'ai un petit problème, c'est que je ne me suis jamais senti handicapé. Quoi. Je veux dire, moi, je suis non-voyant de naissance. Alors, c'est vrai que, bon, quelquefois, il y a des petites difficultés, c'est vrai. Tu fais tomber un truc par terre, moi, ce qui m'éclate, c'est que je le trouve tout de suite. Mais bon, des fois, on cherche un peu, donc c'est bon. Des petites choses bébêtes comme ça, où on marche dans une rue et on se cogne sur les poteaux, sur les plots que je déteste, qui sont là pour que les voitures ne se garent pas. Mais finalement, ça pénalise qui ? Nous, parce qu'on se cogne dedans et on se fait mal. Et c'est une connerie, ça. C'est ça qui est un surhandicap. Donc, je veux dire, il y a des choses que j'ai du mal, des fois, à accepter. Mais mon handicap, si on veut l'appeler ainsi, m'a jamais dérangé. Moi, j'adore ma façon de voir. Je trouve que j'ai beaucoup de chance de voir comme je vois. Remarque, alors. Lorsque l'on jette un œil sur les titres de livres que vous avez écrits, ouais. Tu vois ce que je veux dire, les yeux du cœur. Lorsque l'on vous voit dans la publicité de huis clos, ouais. Par exemple, lorsque l'on vous regarde à la télévision faire de l'humour, vous êtes toujours dans l'autodérision. Est-ce qu'il y a un message derrière tout cela ? Ben, le message, c'est que j'ai envie de m'éclater. Ouais. C'est ça le message, c'est que j'aime bien m'amuser dans la vie. Et c'est ça. Par exemple, dans la pub pour huis clos, mon idée, ils l'ont gardée, c'était que je voulais partir en voiture en marche arrière. Genre pour que je me suis planté, j'ai oublié de passer à marche avant, je suis passé à marche arrière. Et je bouscule une poubelle. Et ça fait rire en fait. Et je dis, ben, ça, je l'avais pas vu, c'était mon idée. Et j'ai trouvé ça bien. Moi, ça m'a Ils ont bien fait de la garder. Ouais, ouais, ouais. Rome, Sudam. Au revoir. Justement, donc il y avait 4 questions. Les 4 commençaient par une lettre bien précise. C'est pour ça que je n'ai pas réagi à ce que vous disiez. La première, c'était V. Ensuite, il y avait O, I et R. Ça fait voir. Ah, bien. Mediaseri. Yeah. 1-1-1. Wouh. Moi, je suis comme ça, écoutez, je me complique pas, je suis tel que je suis, parce que je ne sais pas être quelqu'un d'autre, puis j'ai pas envie non plus. Merci, Gilbert. Voilà, ok. Et bonne soirée. Merci.